Salut les gens, c'est MB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, la vidéo unboxing d'une boîte qui est arrivée, la Z-Box qui est juste là, qui m'a été envoyée par Zavi, que je remercie beaucoup de m'avoir envoyé parce que je connais le thème de ce mois-ci. Le thème, c'est Star Wars, puisque ça va avec la sortie de Star Wars 8, Les Derniers Jedi, que je suis allé voir au cinéma d'ailleurs hier soir et qui est... on va pas faire de critique dessus. On va pas faire de critique dessus, il est bien, mais voilà, voilà, je ne critiquerai pas, je ne ferai pas de spoil. Allez le voir si vous avez envie. Et nous, eh bien, on va s'unboxer ça. Et également, je vais vous présenter 11 pop que j'ai reçus récemment, qui m'ont été offerts par ma famille pour les fêtes. Et j'ai extrêmement hâte de vous présenter tout ça. Donc on commence tout de suite par l'ouverture de la box. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On va l'ouvrir ensemble. Mon couteau est juste là, puisque je l'ai utilisé dans une vidéo il n'y a pas longtemps pour parler de cuisine. D'ailleurs, soit dit en passant, je sais que le thème est Star Wars, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ça va être trop bien. À mon avis, ça va être trop bien. Alors, du coup, on va l'ouvrir. Comment je vais pouvoir organiser? Parce que là, pour pas vous montrer, puisque j'ai pas envie de vous spoiler la suite de la vidéo, j'ai mis toutes les nouvelles pop qui sont que j'ai reçues sur le bureau. Et 11 pop, je vais vous dire que ça prend de la place. Donc, on ouvre ça, c'est parti. Whoopinaise! Déjà, je vois une nouvelle pop. Et ben écoutez, ça fera 12 pop. Ça fait 12 pop à mettre dans la collection derrière. Je ne sais pas du tout où je vais les caser. On a une pop de Star Wars Rogue One Chirrut Imwe. Chirrut Imwe, je sais pas comment ça se prononce. Là voilà, la petite pop qui est ici. On va l'ouvrir. Je vais ouvrir chaque pop individuellement pour vous les montrer, une par une. Alors, cette petite pop de Chirrut, elle est super jolie avec son petit bâton. Ah, c'est une bubble head. C'est une bubble head, c'est-à-dire que la tête bouge quand on appuie dessus. Et elle est super sympa. Alors, j'aime bien la modélisation de. J'adore la modélisation de ces. De ces petites pop, elles sont méga bien retranscrites. Et malheureusement, je n'ai pas encore regardé Rogue One en entier. On a acheté le Blu-ray, j'ai pas eu encore le temps de le voir. Il faut absolument que je le regarde. Mais la pop est super jolie, j'adore ça. Bon, déjà, on a une pop. Moi qui suis fan de pop, je suis déjà méga content. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un t-shirt. Est-ce qu'on ouvre le t-shirt maintenant ou est-ce qu'on l'ouvre plus tard? C'est une bonne question, quoique non. Attendez. Il n'y a pas que le t-shirt. Regardez. Il est super lourd, ce qui veut dire qu'il y a un truc rouge dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Fort, c'est un mug de voyage Star Wars. Regardez, un mug de voyage Star Wars qui est là. Fort. Alors, par contre, il est super lourd. Je sais pas avec quoi je pourrais vous le comparer. On dirait un gros verre en verre. Et je sais pas où j'ai mis mon couteau. C'est pas un mug tout pourri quoi. Attendez, je vais l'ouvrir avec vous en mode ASMR. J'adore ces petits bruits perso. Et punaise. Ah oui, non, c'est un. Oh, ça sent tellement bon en plus. Alors, du coup, please read your... Veuillez lire avec attention. Ne pas utiliser patati patata. Ne pas passer au micro-ondes ni passer à la machine à laver. Ok, donc c'est à laver à la main. Donc, on a un verre. Attendez, je vais enlever la petite étiquette. On a un mug Star Wars qui est juste de là. Regardez comme il est super beau. Donc, c'est vraiment pour les derniers Jedi. C'est vraiment pour le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps là au cinéma et que je vous conseille d'aller voir, c'est dit en passant. On a donc ça, c'est en. Je dirais en céramique. Ouais, ça doit être un petit truc en céramique. Regardez si je fais teinter le couteau. Histoire que vous ayez un petit peu la sonorité et que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, ça, c'est un petit caoutchouc qu'on peut mettre dessus. Et du coup, eh bien, ça peut vous servir pour partir en voyage avec ou tout simplement pour utiliser chez vous. Parce que je pense que moi, je vais l'utiliser très très vite dans mes lives avec mon petit jus d'orange comme ça. Comme ça, et pour me faire plaisir. Et oui, je te vois venir sur la vidéo. Oui, je me suis coupé les cheveux, effectivement. Oui, hein. Bon, hier soir sur le live, il y a des gens qui me demandaient. Oui, est-ce que tu t'es coupé les cheveux? Ben non, Einstein, ils sont tombés tout seuls. Bref, je me suis coupé les cheveux. Enfin, on m'a coupé les cheveux. On clôt le débat. Fin, point, clic, clac. J'avais d'ailleurs posté une petite photo Instagram quand j'étais en train d'attendre dans le fauteuil du coiffeur. Je n'aime pas les coiffeurs. Je ne sais pas pourquoi. Je déteste ça. Donc, sinon, à part cette petite pop et ce mug qui valent déjà le prix de la boîte. Non, parce que les gars, il faut bien se le dire, la boîte est à 24,95€. Et déjà là, pour une pop, en général, on est autour de 15€. Et le petit mug là, honnêtement, je suis pas sûr qu'un mug en céramique comme ça vous en trouviez un à moins de 10€. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais je trouve très très beau. Et surtout pour une licence comme Star Wars, avoir un beau petit mug comme ça et que j'arrive pas à refermer. Voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, moi je trouve ça très très bon. Et ensuite, on a encore des petites choses. Déjà, on a un t-shirt qui est là et qui est un t-shirt. Je vais le découvrir avec vous. Vous allez le voir avant moi d'ailleurs. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a sur le t-shirt? On a un vaisseau Serenity Midbug Transport Class B Service and Repair Manual. Et c'est un vaisseau spatial. Ça c'est cool. Je sais pas si vous arrivez à le voir avec moi. Je vais le passer. Include Raiden Accelerator. C'est cool. Il est super sympa. Attendez, je vais le mettre tout de suite. On va faire le petit tour de magie. Regardez. Attention. Hop. Et voilà.
Écoutez, je le trouve plutôt sympa. Alors je me lève un peu pour que vous puissiez l'admirer, et moi aussi, voilà, vous pouvez m'admirer moi, voilà, magnifique. Regardez ce garçon magnifique, regardez ça, regardez cette beauté. Hop là, comme ça, bon, pour voir le t-shirt, c'est plutôt comme ça, voilà, regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté. Je parle bien sûr du t-shirt, hein. Oui, je n'ai bien sûr pas la prétention de dire que je suis beau, puisque, loin de là. Oh, ben on pourrait même dire que t'es dégueulasse, hein. Merci, merci, c'est très gentil. Oh, tu sais, moi je reste honnête, après tout, hein. Oui, oui, allez, casse-toi, allez, va très loin, très loin. On peut jamais être tranquille, en fait. Et donc, après ce petit t-shirt, on a également autre chose dans la boîte, donc ça, c'était ce qu'il y avait dedans, tout simplement. Et donc, on a également un petit pins. Qui est ici, un petit pins vaisseau spatial. Attendez, je vais le mettre un petit peu droit pour qu'on voit Z-Box exclusive, petit pins qui va rejoindre immédiatement illico presto la collection de pins que j'ai issue de petites boîtes et d'autres. Je vous rappelle que cette petite collection commence à ressembler à quelque chose, hein. Voilà, je commence à en avoir énormément par rapport aux boîtes que je reçois, par rapport à tout ça. Je vous rappelle qu'on commence à en avoir beaucoup. Et moi qui suis fan de collection de pins et de collection en tout genre, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la collectionnite aiguë, je vous la conseille humblement, voilà, en toute gentillesse et en toute honnêteté. Ça vous permettra de savoir un petit peu tout ce que je collectionne et tout ce que j'ai chez moi. Donc on a dit le mug, le t-shirt, le petit pins et la petite pop, mais ce n'est pas fini et je pense qu'on va terminer la vidéo dedans parce que je trouve ça méga cool. On a un bonnet qui va permettre de se protéger contre les températures absolument dégueulasses en ce moment. Ah, tu vois, dégueulasse, on y revient. Bon, tu te casses. Allez. Non mais on n'est jamais à l'abri des critiques, même chez soi, c'est fou. Donc le bonnet qu'on va ouvrir avec le petit scotch, bah, par contre ça s'arrache un petit peu. Et donc c'est un bonnet Star Wars, je vous le confirme, regardez, il est là, regardez avec le bel enseigne Star Wars, bah, sponsorisé par Disney, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon tout ce qui est Star Wars maintenant c'est Disney. Et on va faire quelque chose de ouf, on va arracher l'étiquette comme un dingue. Je sais pas vous, mais ces étiquettes là, moi en général je les arrache comme un fou. Et on va pouvoir porter le bonnet. Alors je préfère vous préciser, d'entrée de jeu, le bonnet ne m'ira, mais pas du tout. Je n'ai pas une tête à bonnet, je n'ai pas une tête à chapeau. Il y a des gens qui ont des têtes à chapeau, moi je n'ai pas de tête à chapeau. Il y a des gens qui ont des têtes à bonnet, moi je n'ai pas une tête à bonnet. Voilà, là c'est pas trop mal. Il était encore là, pas vrai? Il me gonfle. Non, il me gonfle, mais vraiment il me gonfle. Bon, écoutez, on va même terminer cette vidéo avec le bonnet que je trouve vraiment très très cool. Bah, finalement, il me va mieux que ce que je pensais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas dégueulasse. En plus, avec le t-shirt, c'est plutôt sympa. Et ça va me permettre de protéger mes petites oreilles du froid en ce moment parce que j'ai tendance, je ne sais pas si pour vous c'est pareil en hiver, à avoir les oreilles toutes rouges et le nez tout rouge. Donc, moi, je n'ai pas encore trouvé de bonnet pour le nez pour protéger ça, mais en tout cas, bah, ça me va très très bien. Alors, on va balancer la petite boîte plus loin. On va même la poser avec délicatesse juste à côté. Et donc, on a le petit magazine de Z-Box, comme d'habitude, qui est là. Alors, le thème c'était Galaxy, même pas Star Wars. Mais j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on avait de Star Wars, concrètement, je comprends pourquoi on m'a dit que c'était une box un petit peu Star Wars. Alors il faut noter quand même que c'est un magazine en anglais, encore une fois, je vous le dis à chaque fois que j'unbox une Z-Box, qu'il est possible de lire en français sur leur site. Moi personnellement, l'anglais ne me dérange pas, donc il n'y a pas de problème. On a différentes choses, on a différents articles dans le magazine en termes général, qui retracent eh bien l'univers de plein de choses. Regardez déjà la Comic Con de Londres, ou avec différents cosplays, et ça va vous donner exactement des détails sur Alien Conspiracy, il va y avoir du Captain Marvel, comme Reynolds, il va y avoir du Star Wars, il y a plein de choses et différentes choses. Ils vous montrent également aussi ce qu'il y avait dans le pack. Alors là, on aurait pu avoir deux pops différentes qu'on n'a pas eu. Alors nous, on a eu une troisième pop, c'est assez étonnant. Normalement, on devait avoir une de ces deux pops. Nous, on a eu la pop qui est ici, la pop Shirut Iun. Shirut Imui, c'est assez étonnant parce que normalement on devait, voilà, comme je viens de vous le dire, avoir une de ces deux pop ici. Alors on n'arrivait pas à le voir, mais voilà, normalement on devait avoir ça et finalement on a eu celle-ci. Donc c'est pas plus mal, moi j'aime bien. Et le bonnet est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup le bonnet. Je pense que je craque sur le bonnet et là-dessus. Franchement, je craque sur ces deux trucs-là. Le t-shirt est sympa, mais ces deux trucs-là, moi je suis en train de kiffer de ouf. Et après, The Last Jedi or Is It, ça doit être une critique du film. Je pense honnêtement que ça doit être une critique du film, objective ou subjective, ça je ne vous le dirai pas et je ne vous spoilerai rien. Et puis voilà, des petits trucs sur Star Trek. Et puis également le thème du mois prochain, Suit Up, que je vous présenterai très certainement sur la chaîne quand ça arrivera. Merci beaucoup à Z-Box de m'envoyer leur box, c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir. En plus de les présenter, moi je prends un kiff absolument fou à recevoir ces trucs là et ne vous inquiétez pas, ça reviendra dans les vidéos, ce petit bonnet, parce que je le surkiffe. Pourquoi pas même faire quelques vlogs sur la chaîne secondaire que je prévois d'ouvrir avec ce petit bonnet là. Donc écoutez, eh bien ça coûte 24,95, c'est dispo sur le site de Z-Box, je vous mets le lien dans la description. Et on va mettre tout ça de côté
côté et moi je vais vous parler de toutes les pop que j'ai reçues récemment. J'en ai reçu beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de fans de figurines Funko Pop parmi vous et parmi mes viewers. D'ailleurs je vous remercie d'être là le 24 décembre puisque je tourne cette vidéo le 24 décembre. Vous allez la voir le dimanche matin 24 décembre à 10h à l'heure de sa sortie, sauf si vous n'avez pas activé la petite cloche. Et ça c'est pas bien, hein, il faut activer la petite cloche. Et donc on va mettre de côté celle-ci qui est là, la nouvelle petite pop de Star Wars. On la met de côté et par laquelle va-t-on commencer? Il y en a pas mal, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer rapidou. Mais regardez, hop là, ça c'est fait, voilà. Vous avez vu le nombre de pop avec la petite caméra que j'ai bougé. Et écoutez, c'est parti. La première pop qui est arrivée et que j'avais hâte d'avoir parce qu'elle était pour ma chérie, tout simplement, c'est celle-ci. C'est la pop des Gardiens de la Galaxie avec Groot dans son petit pot. Et elle est juste tellement mignonne. Je vais vous la sortir encore une fois. On va sortir chaque pop de sa boîte pour vous les présenter. Parce que je suis un grand, grand fan de figurines Funko Pop. Je pense que vous l'avez vu derrière. Il y en a également dans mon salon. Et regardez comme elle est mignonne. Regardez ça. Je me demande si c'est pas la pop la plus mignonne que j'ai. Elle est juste absolument magnifique. Je suis un fan inconditionnel de Groot, de Baby Groot, dans les Gardiens de la Galaxie 2. Et juste regardez ça. Alors en plus c'est un petit bubblehead, je suis pas très fan des bubbleheads en général, mais là, force est de constater que regardez, on a envie de lui faire des petites caresses. Voilà, j'avais de la peine à le remettre dans sa boîte pour vous le présenter, parce que normalement il est dans le bureau de ma chérie sur le côté, parce qu'en fait on a un bureau séparé en deux. Ce que vous voyez ici là, c'est la séparation du bureau en deux. Il y a mon bureau de ce côté là et le bureau de ma fiancée de l'autre côté, et je vais tout de suite aller lui remettre dans son bureau et on se retrouve pour la suite des pop. Ensuite, une pop qui reste dans le thème de Star Wars et qui est une des pop issues de dernier film Star Wars 8, Les Derniers Jedi, c'est la pop de Rey. Qui est ici avec son magnifique sabre laser qu'elle a piqué à Luke Skywalker, hein, il faut se dire, voilà. La voilà, regardez, je vous la sors. Ah, c'est encore une bubble head, d'accord, hein, on a décidé de m'offrir que des bubble head, super. Voilà, regardez, elle est super sympa. Alors un petit peu dénaturée au niveau de la couleur du visage par ma lampe, je pense que c'est peut-être un petit peu plus clair comme ça, un peu plus sympa, mais elle est super sympa, quoi. Enfin, je vous la montre un peu plus près de la caméra. Je suis tellement fan des figurines pop, si vous saviez. Bah, vous savez, je suis fan des jeux vidéo, mais je voue une très, très, très grande passion pour les figurines pop. De toute manière, je pense que ça se voit encore une fois derrière et avec mon décor. Et honnêtement, je sais même pas où je vais les mettre, mais franchement, je n'en aurai jamais assez. Je n'en aurai jamais assez. Même s'il faut que je dorme sur mes figurines pop, je continuerai d'en prendre, d'en recevoir et de kiffer tout simplement. Et je vais caser celle que je viens d'ouvrir sur la droite parce que sinon ça va être une galère totale dans la suite de la vidéo. Et on va passer à deux pop, cette fois-ci deux pop qui viennent de séries qui passent en ce moment ou qui sont passées récemment. La première, c'est Jessica Jones, qui est ici. Alors, si vous n'avez pas vu la série, filez, parce qu'il y a la saison 2 qui va arriver dans pas longtemps, et Jessica Jones, c'est juste une série absolument magnifique. La saison 1, qui était sur un petit peu la traque d'un serial killer qui était aux trousses de Jessica Jones, est juste magnifique, et juste sublime, et je suis trop content d'avoir, il y a un petit socle, d'avoir cette petite pop, parce que j'adore le personnage de Jessica Jones, qui est un personnage Marvel, je le rappelle. Attendez, je la mets dessus. Oh, voilà, regardez ça avec son petit blouson, mais elle lui ressemble tellement. J'ai vraiment l'impression de voir la Jessica Jones de la série. J'adore, c'est pour ça que j'adore les pop. Elle, ça ressemble tellement aux personnages qu'on a vraiment l'impression de les avoir, et c'est trop trop bien. Alors j'enlève son petit socle des pieds, elle est livrée avec son petit socle. Alors par contre, j'ai toujours du mal à les remettre dans leur petit truc, ça c'est vraiment un problème. Si jamais vous les enlevez pour les remettre à l'intérieur, attendez, on va faire ça proprement. D'habitude, je ne les enlève jamais des boîtes, et c'est vraiment pour vous que je les enlève, pour vous les présenter dans cette vidéo, parce que je sais que beaucoup d'entre vous rêvaient de voir la majorité des pop que je collectionne, et donc ça me fait plaisir de vous les présenter aujourd'hui, bien sûr. La deuxième dont je vous parlais, issue d'une série, c'est le Punisher, et cette pop est trop, trop, trop belle. Regardez avec son petit flingue, je vais l'enlever tout de suite parce que je ne l'ai pas encore ouverte, celle-ci, Jessica Jones, je l'avais ouverte pour la montrer à ma chérie, parce qu'on est fans tous les deux de la série, et regardez celle-ci, elle est trop classe. Avec même la coupe de cheveux, l'œil au beurre noir, la petite cicatrice, son arme est trop trop bien modélisée. J'adore ça avec son t-shirt du Punisher. C'est classe, c'est trop trop classe. Et en plus, je sais pas si vous avez vu la série, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille aussi. C'est avec l'acteur qui jouait Shane dans Walking Dead. Et il joue méga bien. Il faut se le dire, il joue méga bien. Et la série est juste
Une série, mais un bijou, un bijou, un bijou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous en reste 2, 4, 5, 6, 7. Et on va d'abord commencer par la pop qui est issue également d'une série et que ma chérie m'a offert il n'y a pas longtemps. C'est la pop de Eleven avec des électrodes de Stranger Things qui est ici. Et alors c'est une pop en édition spéciale qui est issue de la convention d'automne 2017. Cette pop est rare, elle coûte assez cher, elle coûte quasiment 30 euros celle-ci. Et je l'ai pas encore ouverte non plus, elle est trop trop belle. Je suis trop content de l'avoir. C'est ma chérie qui me l'a offert et je la remercie énormément. Elle est trop trop chouette, elle est trop trop chouette. Il y a sa petite goutte de sang, vous voyez, au niveau du nez, et il y a les petites électrodes sur la tête dans sa petite blouse de, d'hôpital. Et moi, je l'adore. Il y a même, si on pousse le vis, alors je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais sous son bras, alors attendez, juste ici là, il y a son petit tatouage avec marqué Eleven, tout simplement. Voilà, Eleven, c'est normal puisque c'est son numéro, et c'est trop trop bien. Et je vais peut-être enlever le bonnet parce que ça commence un petit peu à me gratter. Voilà, on sera un petit peu mieux, Oh, j'entends beaucoup mieux même. Je me rends compte que mes oreilles étaient un petit peu calfeutrées avec ça et j'entendais pas grand chose. Donc, ça c'est fait pour celle-ci. On vous en a présenté combien? 5, il en reste 6. Là alors, comment on va s'organiser? On va commencer par les éditions un petit peu spéciales. L'édition spéciale de la suivante, c'est Hulk. Voilà, je n'ai pas vu le dernier film de Thor, mais il est issu de Thor Ragnarok, plutôt Ragnarok d'ailleurs. C'est une pop exclusive, encore une fois, donc elle n'est pas plus chère que les autres. Je crois qu'elle était à 14,99 comme toutes les autres, mais il faut savoir que celle-ci, c'est une exclusive, c'est-à-dire que c'est une édition limitée, et on comprend pourquoi, parce que la pop est juste beaucoup plus grande que les autres. Forcément, en même temps, vous allez me dire c'est Hulk, mais regardez les détails qui ont été faits sur cette petite pop. Et il faut se l'avouer, hein, les pop c'est juste magnifique. Alors après, je sais pas si vous êtes fan comme moi, mais moi j'en suis absolument dingue, je suis dingue de tout ça. Mais c'est peut-être à cause de ma, entre guillemets, maladie de collectionniste aigu, hein, voilà. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, et si vous êtes encore là au moment de cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit hashtag TeamMBFunko. Alors ensuite, encore une pop exclusive, c'est la pop de Toy Story, qui est ici la pop de Buzz l'éclair, qui est pour les 20 ans de la série, 20 ans des films Toy Story, qui sont juste trop trop bien. C'est vrai que moi j'ai même pleuré à la fin des films Toy Story. En même temps, je suis un très très bon public, mais j'avais tellement hâte d'avoir ce petit Buzz l'éclair avec son petit casque. Regardez son petit casque. Il a même son petit propulseur arrière. Alors bien évidemment, il ne vole pas. Voilà, il ne vole pas, même si on aurait aimé, mais c'est trop trop bien. J'adore ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont magnifiques, elles sont somptueuses, elles sont... J'ai l'impression que je vais répéter ça à chaque pop, mais waouh. Et dites-vous que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais garder les meilleurs pour la fin des deux qui sont arrivés hier. Je vais vous présenter les deux avant-dernières et je vais vous montrer la dernière qui est un pack de deux à la fin. Celle que j'ai pris et dont je suis super content, c'est Ichigo de Bleach. Bleach est une très 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 bonne série de manga que je vous conseille. Franchement, Bleach, c'est juste exceptionnel. Et j'étais trop content de la trouver. J'aurais aimé avoir la pop en édition spéciale qui était un petit peu, me semble, glows, vous savez, qui est un peu brillant dans la nuit. Malheureusement, il n'y avait que celle-ci qui était dispo quand on m'a demandé si je la souhaitais. Et donc, du coup, bah, j'ai dit oui, bien évidemment, j'allais pas dire non à mes parents. Voilà, parce que, regardez, elle est trop trop belle. On peut pas se dire le contraire. Elle est juste magnifique. Et je vous la montre un petit peu plus près de l'écran. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté avec tous les petits détails, encore une fois. Au début, je me disais, quand les pops sont sortis, les premières pops sont sorties, je me suis dit, ouais, les pops, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est tous la même tête, c'est absolument dégoûtant, ça ne sert absolument à rien, ça se met sur une étagère. Et force est de constater que ma fiancée, même si elle est en train de kiffer les deux petites pops qui sont là-bas, qui sont de Wonder Woman et de Groot, n'arrête pas de me dire, oui, qu'est-ce que tu fais avec tes petites poupées sur les étagères? Non, je plaisante, elle comprend le délire de la collection, mais c'est vrai que pour elle, bah, elle comprend pas qu'on puisse dépenser 15 euros dans une petite pop, voire même bah, 15 euros par pop pour faire une collection complète. Ce que, quelque part, je peux comprendre. Mais moi, de mon côté, je comprends pas qu'on peut acheter 50 rouges à lèvres. Oui, bon, le maquillage et moi, ça fait 15, je ne comprends pas. Bref, l'avant-dernière boîte de pop, puisqu'il nous reste deux boîtes, une avec une pop et une avec deux pop, c'est Donald de Kingdom Hearts qui est ici. J'étais trop content de trouver. J'ai vu qu'il y a Sora de Kingdom Hearts. Si vous ne connaissez pas la série Kingdom Hearts, je vous la conseille encore une fois. Ce sont des jeux géniaux. PS1, PS2 et également sur PS4 qui a sorti une compilation qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais également sur les consoles portables. Et c'est trop trop bien comme série. Et j'étais trop content. Déjà, Donald, je l'adore parce que je l'imite un petit peu. Voilà. Voilà, je le fais un petit peu, voilà, un petit peu. Je sais dire qu'une seule phrase, non mais ça va pas la tête. Voilà, je sais en dire quelques-unes autres, mais on va passer là-dessus. Et regardez comme elle est mignonne. Voilà, on pourrait penser qu'avec ses yeux, il va aspirer notre âme, mais absolument pas. Et regardez ses petites fesses là, trop mignonnes.
et avec son petit sceptre qui est magique, j'adore. Alors je suis un grand fan de Donald depuis que je suis tout petit. Je lisais les Super Picsou géants. Alors moi je me souviens toutes les semaines, c'était toutes les semaines que ça sortait. J'achetais le Super Picsou géant, ou c'était tous les mois, c'était peut-être tous les mois. J'achetais mon Super Picsou géant à 3,90€ chez mon libraire et je kiffais mais tellement. À l'époque je les collectionnais et puis j'ai dû m'en séparer dans les différents déménagements. Ça m'a brisé le cœur, mais on n'avait pas le choix et on passe là-dessus. C'était pas grave. Et là on arrive sur le dernier pack qui est ici. C'est le dernier pack. Je pense que vous avez reconnu le dessus si jamais vous êtes fan de Mortal Kombat. Ça vient de Mortal Kombat X. Ce sont Scorpion et Sub-Zero. Regardez ça. Alors par contre ces deux-là, je vais pas les ouvrir parce que vous voyez qu'il y a un petit scotch ici et j'ai pas trop envie de l'enlever. En général, quand une boîte est fermée avec un scotch, je ne l'ouvre pas. Et regardez comme elles sont belles. Je vais essayer de vous les montrer en caméra pour que vous puissiez les voir au mieux, mais regardez comme elles sont belles. Moi je suis absolument fan, sachant qu'en plus c'est une exclue de GameStop, c'était hors de question que je le laisse partir, je l'ai pris et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elles sont absolument somptueuses. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, on va même remettre le petit bonnet pour clôturer, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi c'était encore un kiff de tourner cette vidéo pour vous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de commander la Z-Box, ça c'est sur le site de Zavi, ça coûte 24,95€ par mois. Et c'est trop bien, voilà, il faut se le dire. Il y a des boîtes geeks qui sont peut-être un peu moins sympas, celle-ci elle est juste top, encore ce mois-ci, ça prouve que c'est peut-être pour moi l'une des meilleures boîtes geeks. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et que vous avez kiffé l'univers, voilà, l'univers geek, l'univers pop, l'univers jeux vidéo, l'univers unboxing, l'univers tout ça. Voilà, je fais plein de choses sur cette chaîne. Vous pouvez également me laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo si vous avez envie. Vous pouvez également passer un super bon Noël parce que ce soir, le 24 au soir, c'est le moment où on va se retrouver avec toute notre famille, enfin presque, puisque moi malheureusement je ne vois pas toute ma famille cette année, mais on va passer sur ce petit truc un peu triste pour revenir à des choses plus sympas. Donc profitez bien de votre famille ce soir en dîner de famille. Ouvrez bien vos cadeaux à minuit passé, puisque c'est la tradition en général les ouvrir après minuit, après que le Père Noël soit venu les déposer chez vous. N'oubliez pas de mettre un petit cookie et un petit verre de lait pour que le monsieur un peu gros avec son petit manteau rouge qui passe par votre cheminée puisse se sustenter après son petit voyage dans les terres glacées. Voilà, en plus ça faisait une petite rime. Et puis n'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, c'est-à-dire à 10h dimanche matin, dimanche 24, et bien à 15h cet après-midi, le jour de Noël, puisque le 24 et le 25 on peut dire c'est le jour de Noël, et bien je fais un live à 15h le 24 décembre, absolument, parce que à 18h, à l'heure où je faisais normalement les lives, je serai avec la famille, donc je ne pourrai pas faire de live, et c'est bien normal. Donc et bien à 15h aujourd'hui, gros live de Nintendo Switch avec du Zelda, avec du Splatoon 2, avec du Brawl Out, avec du Minecraft, avec plein de choses. On va tourner les jeux, on va faire plein de choses et ça va être trop trop cool. Allez les gens, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On a un objectif, c'est l'objectif 30 000 pour le 31 décembre. On n'y est pas, mais on peut y croire, je l'espère. Et moi je vous dis à très vite les gens, ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. Salut, salut. Ouais, tu sais, pour tout à l'heure, je déconne, je te trouve pas dégueulasse. Je te trouve même plutôt mignon. Ah, quand même. Ah, c'est gentil. Je l'apprécie. J'apprécie beaucoup. En tout cas, je ne peux pas te retourner le compliment vu que, voilà. C'est pas sympa. But we don't. Make this up.